Aujourd'hui, à mardi 18 décembre 2018, bonsoir tout le monde et bienvenue dans le journal. Nous avons démarré aujourd'hui avec page météorologique journée 1 et c'est avec collaboratrice nous, Madame Selom. Bonsoir Nicole. Salut à tous et avec un pile plaisir, moi retrouver nous aujourd'hui pour bulletin météorologique là, qui j'en condition y est. Si ça nous parle à point de cogne, sous bassin avec différents images nous. Il y a une zone de beau temps qui était installée sous toute partie Caraïbes et central. C'est grâce à un anticyclone qui est l'anticyclone des Açores qui est réellement stationnaire au niveau nord-atlantique qui permet à ce que le temps soit stable. Donc Haïti a joui de zones de beau temps ça avec des ciels vraiment ensoleillés, repas à nuages avec activité la pluie qui est très limitée également. Mais c'est pas de gagner un front stationnaire qui est au nord-ouest Cuba, mais c'est un front qui pas trop active et qui pas vienne porter grande chose non plus au niveau pays. C'est seulement quelques petits averses, la pluie très faible qui a fréquenté Haïti pour assoyer au niveau quelques départements. Je nous ai regardé sous quatre ça. C'est la pluie faible, faible vraiment qui est capable de fréquenter les départements pour assoyer. Mais sinon, temps a prêté très stable pour aujourd'hui en pour assoyer et jusqu'à deux jours qu'a venu là. Son temps a prêté très ensoleillé avec vent qui a soufflé en tigeant modéré sous pays. Pour après ça, avec les gens qui sont sous côté Lyon, c'est encore un très beau temps, ciel très dégagé. Après midi, on a une chance pour un petit développement de nuages tout petit. Et dans la soirée, avec une faible averse qui a fréquenté quelques zones au niveau Port-au-Prince, température n'a pas monté pire que 30 pour journée et n'a pas atteint jusqu'à 20 degrés Celsius pour la soirée. Donc, c'est des températures réellement agréables qui enregistrées au niveau Port-au-Prince pendant le dernier jour. Dans la condition maritime, non, mais là, au niveau côte nord, golfe de la Gonave, son mer qui est relativement calme, avec des vagues qui montaient seulement jusqu'à 4 pieds. C'est seulement au niveau côte sud là, il y a un vagueur qui montait 7 pieds et il y a un risque pour ta gentil averse isolée au niveau côte sud là. Là, n'a demandé capitaine pour très prudent, il a navigué au niveau côte sud pays pour assurer, mais sinon pour l'autre côté, c'est relativement tranquille. Et dans la page astronomique là pour nous finir, le soleil a couché son port au prince à 5h15 et l'a levé demain matin à 6h16. C'était un réel plaisir pour m'être avec nous pour information ça. Merci pour attention à nous, excellent après-midi et bonne soirée, à très bientôt. Merci Nicole et bonne fin de journée à vous même tout. Travail barrage hydroélectrique yo après poursuivre dans la localité Marion, section communale Grand Bassin, dans la commune Terrier Rouge. Directeur départemental agricole Nord-Est, agronome Sylvain Sama, bat bravo pour Jean Travail yo avancé. Un reportage à Richard Saint-Jourdan et puis Pimps Jean-Baptiste. Travail barrage hydroélectrique a réalisé dans Marion, section communale Grand Bassin, commune Terrier Rouge, gain plusieurs objectifs. Non seulement la permettre divers mondes dans le département bénéficier courant électrique, la aider tout, planter, agriculteur, joindre de l'eau pour user jardin, et puis tout, permettre qu'il tire la pêche là, progresser dans la zone. D'après le directeur départemental agricole Nord-Est, agronome Sylvain Sama, qui a tout exprimé satisfaction pour avancer, qui déjà fait dans le cadre de travail. Nous avons seuil numéro 2 qui est déjà fini à 100%. Okay? Nous avons fini de mettre, maintenant nous avons coulé le béton maintenant sous prison. Agronome Sylvain Sama, le travail de barrage Marion, a un paquet d'importance pour mon Nord-Est. C'est dans ce sens, il fait qu'on ait un travail chaque jour pour arriver à nos objectifs fixés. C'est mobiliser, nous allons mobiliser le volume de l'eau que nous avons besoin, qui pour produire courant électricité, qui pour produire, qui pour bailler de l'eau pour irrigation, et qui permet de nous bailler de l'eau potable dans la zone. Nous impliquer dans tout ce qu'on fait. Ça veut dire assurer nous que le travail a marché, bailler tout appui, que ce soit et moyen financier. Jean Zolan, c'est trésor public qui a financé pour le moment. En direction qui concerne le ministère à mobiliser des travailleurs ça pour que travailleurs travail ça avance. Barrage Marion, c'est pour le deuxième barrage pays après le bénéficier grâce à caravane changement. Autorité concernée dit avancer dans le travail pour comment il a fini avec dans délai prévoit pour ça. Travail compactage yo a continué dans le département sud. Remblayage continue à faire sur deuxième tronçon route, cap sorti, carrefour bureau pour arriver 16. Et puis travail élargissement continue à faire sur route Manichelan. Lounel Jean-Louis avec l'aurore d'Henri Jean-Jacques te visité département sud pendant le week-end 16 à 17 décembre. Il a présenté un compte rendu. Après finissement, première phase tronçon route qui sorti carrefour méridien, arrivé carrefour bureau dans la commune Tobek.
travail a avancé à grands pas dans le deuxième tronçon Sahara qui a sorti Kafou Béro pour arriver du 6. Remblayage, compactage, 0.40 avec imprégnation, c'est diverses étapes qui déjà franchi dans le deuxième tronçon Sahara d'après Forman et Gilles Pierre. Là, voilà, c'est trois tronçons. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui commence Méridien, arrivé Kafou Béro. Ce sont ça me finit. Actuellement, je suis un grand tronçon qui m'apprend de Kafou Béro pour arriver du côté 16. C'est la dernière là. Depuis tout, même côté là, je suis tout attamé et l'autre tronçon BA, je suis tout attamé et c'est maintenant que je viens là du côté du Bouey. Parce que du côté du Bouey là, il y a un petit travail là-dedans. Il faut que je paye le mécanique, il faut que je paye 12 heures au moins, il faut que je charge. Et le matériel est presque disponible pour nous commencer trop sur ça. Le travail qu'a fait, m'a fait des broussaillages, même des blés, m'a fait des bureaux là. M'a fait des broussaillages, m'a fait un blé, m'a passé une couche de bazar qui est 0,40, 31,5. Et puis tout, m'a fait une préparation. Si vous avez regardé, vous avez gagné pour 300 mètres. Il est prêt. Je remercie gratitude pour le travail qu'a fait. Toutefois, les citoyens ont souhaité pour travailler pas camper dans la route. Ça fait longtemps depuis que nous avons besoin de route là et c'est une t'as fait mal sous machine, sous moto, tout ça. Et dit me sauver avec le travail ça qui fait là, nous sentons soulagés. Et moi, félicite le président et me dit le travail a continué. Route là, mon pas de circuler là-dedans à l'aise, mais qu'on y a là, tout est bien. Ici, il y a un problème, surtout pour machine, pour mon cabécan. Et puis, ça a un problème. Mais pendant route là, fait ça, nous sentons contents pour route là, qu'a fait là. Nous bien contents. Et nous t'as content ou t'as prolongé pour arriver jusqu'à 16 et puis ou encore tout. C'était vraiment impraticable. Raison, nous avons, depuis qu'on quitte Kafou Méridien, ou surtout quand on arrive à Kafou Méridien pour prendre direction pour venir ici, tout le monde commence à plaindre et on dit mais route l'enfer. Quand on est là, lorsque on est là, on prend route ça, on dit route 9. Là, il dit président merci parce que. Monsieur, c'est un homme qui a une volonté et toute salle de dîner qui a parlé, il prouve que il est toujours campé derrière vous. C'est même constat pour la commune Manèche, travail et l'agissement à terrassement et à continuer sur tronçon route qui est lié à Kafou Dolé avec ville Manèche là. Jean-Bernard Ulysse, qui est 48e section commune Manèche, explique les péripéties habitants de la commune. Manèche, c'est une commune qui a souffert depuis longtemps et qui a été soif de travail ça tout. Et puis, il faut me dire bien, depuis le gouvernement a monté, moi j'ai fait appel à travaux publics pour arriver dans la commune Manèche. Nous-mêmes, population Manèche, nous avons dormi, rêvé, travaillé. Et ceci, il faut me dire bien, nous sentons une bénédiction liée pour nous. Parce que ce n'est pas un bagage aujourd'hui, après temps. Moi, depuis petit monde, je suis passé dans la route. Il faut me dire bien, aujourd'hui, moi, c'est un grand parc fait. Et je me demandé à gouvernement tout. Pour ta gen pi ganje fòk fèt toujou. Paske arrive route Manèche lan, li fin fèt fòm di ou bien, nou menm mba kon a ki kè ke nou ka di gouvernement sa ki sa l fè pou nou. Nou menm paske nou swa travay sa. Tout kote gen route, mwen di devlopman deja arrive nan zon sa. Oman, le ou gade yon ti pick-up ki sot pase la talè a avèk yon chajman banan, yam tan dout lòt bagay anko. Men si pa gen route, pour me dire, yo pa tap ka vini machine sa wèk sot pran jis ki kote akye. Obann, c'est grâce à PC pendant tracteur sa yo rive lan commune nan, yo fè PC au niveau section communale yo. Là on prend des Anader qui yo nan grande localité nan commune Manèche toujours, nan 8e section. Là on wè PC arrivé matériel sa yo nan commune nan, PC gen tan fèt ladan yo, gen un bande bagay ki pa perdi Anader via route là. Le gouvernement di ou route c'est priorité l. Moi, c'est plus gros bagaille gouvernement de café. Dernièrement, dans la section communale, ça là, je suis comme si je prends exemple de Anader toujours. Tu as un monde qui était malade. Pendant le tracteur, tu as un coup de pelle, moi-même, comme Kazek. Tu as un monsieur qui a une maladie qui prend lui. Et selon la douleur, tu es sous lui. Nous avons une machine dans la rivière, prend lui. L'aile est arrivée à l'hôpital. Le docteur a dit si monsieur te fait des aides dans le dehors, il a mouru, mais qu'on y a ouais importance route là. Avec que qu'on y a monsieur Salan tout travail, il a fait tout bagarre. Mais tandis que le docteur Guetan dit s'il te fait deux aides dans le bas de arrivé, autre fois, quatre aides dans monsieur Patap qu'on déplace sur la calière, non? Aïe, sous tête, nous avons le potel pour aller bagarre. Au moins, ouais, mais on prend exemple de Yonvi. À chaque fois, les monsieur Salan, passez-moi monsieur Salan, moi-même, dans toute activité.
activité, on sentit son victoire. C'est pour le gouvernement aider toujours. Fait plaisir pour nous. Et c'est ça n'attend. Nous besoin route manichna même avec toute route nationale. Travail infrastructure routière ça yo a réalisé grâce à caravane changement qui c'est une stratégie l'état central mettait en place pour faciliter service de base yo river dans section communale yo. L'autre nouvelle, plusieurs travail lancé officiellement lundi 17 décembre dans la commune Cité Soleil dans le cadre caravane changement. Activité sa fête en présence diverses autorités dans la commune Lantakou, député, magistrat, Kazek, Azek, ak Delevreville. Yon contrandi à Rachel Saint-Fort et puis Bernard Marseille. Selon plusieurs autorités communales, c'est environ 2000 moun kap jwenn job nan kat travay sa yo ki lanse jodi a nan Cité Soleil a travers caravane changement. Responsable yo explique, travay sa yo vise pote yon solution a kek problème population konfronte tant ou problème ravin yo bay si tout la pli ap tombe. Jodi a pou pote yon solution avec ravin yo, avec glory nan commune Cité Soleil. Nou pa commencer nan question curage la. Nou pa commencer avec exemple, pour nous connaissons une situation difficile. Bon canal, nous connaissons une situation. Je dis à les jeunes voyez avec support Taïwan, vous voyez caravane pour nous commencer à curer le canal. Yo bay tout bon vrai, est-ce que yo vini vrai pour mettre l'argent dans poche peuple là pour aider peuple là avec besoin fin d'année et continuer pourquoi pas et pour mois de janvier février. Non pour parler de gain avec ministre travaux publics là environ 2000 moun pral joindre travail dans commune là. Son travail qui a duré 3 mois, même passé dans 3 mois, moi même moi vle que changement li réel tout bon vrai à travers tout ensemble de problèmes société là, l'école nationale, route, place fierté, terrain football, canal yo. Et nous gen Wab Jérémy tout qui gen l'autre problème, nous gen Fort Dimanche qui gen problème d'eau potable. Et m'pense caravane nan doué un package, li bati sel canal là seulement, li devine solutionner tout problème commune Cité Soleil. Nous gen près de 7 canal, mais priorité yo c'est canal Saint-Georges 1 avec Saint-Georges 2. Divers habitants zone nan félicité autorité dans l'état pour initiative si là et puis souhaiter li continuer. Nous tapons de travail ça assez longtemps, depuis longtemps. Pour qui ça? Parce que depuis la pluie a tombé, toute zone est inondée, surtout projet Douya, Bois Neuf et Cité Gérard, toute Cité Soleil là entièrement, livrée, crasée, plate. Ça veut dire que le gouvernement nous dit gouvernement merci en pile, parce que les vini avec programme ça, pour peuple Cité Soleil. Mais t'as beaucoup mené longtemps pour nous détendre ça, pour nous dériver une jeune nous. Comme nous venons avec délégué, avec député magistrat, Azek Kazek, t'as dit président Jovenel, merci. Les autorités communes n'ont souhaité travailler ça ou cap réaliser dans la cité, servir exemple à l'autre commune, cap bien pour recevoir caravane changement. Ministère Affaires Sociales a travaillé pour établir 775 restaurants communautaires dans tout le pays. Chaque restaurant a une capacité pour bailler 400 à 500 personnes manger chaque jour. Ministre Affaires Sociales a travaillé là, Élise Brisson-Gélin, qui tape pour tes précisions sous projet, dénoncer les gens qui prennent manger, mais qui pas jamais fait restaurant. Ministre Landi a déjà identifié, grâce à la vigilance population, les gens qui sont dans la zone canarien. Il aurait mettre un dossier à la justice pour suite légale. Ministre l'a demandé bénéficiaires aurait été vigilants pour dénoncer tout le monde qui voulait faire magouille à restaurant. Nous invitons à suivre. Nous gagnons des inspecteurs qui allaient régulièrement dans le restaurant pour aller vérifier non seulement que manger a bien fait, puis fait dans des conditions d'hygiène appropriées, que quantité que vous faites desservi, quantité de monde pour desservir, environ 500 à 600 monde par jour. Et pour nous assurer nous tous que le restaurant aurait été ouvert tout mois, toute longueur mois, parce que nous allons manger pour lui durer un mois régulièrement. Voilà que nous, il y a un inspecteur, nous, allons dans la zone, et puis il n'y a pas de restaurant. Entre temps, nous avons une population qui vient dans Fayès. Qui vient dire que tu as été dans un restaurant dans la zone ça, il n'y a pas de restaurant. Donc, Fayès délégué une équipe aller sur place pour voir côté restaurant. Nous pas jouer un restaurant. Et comme nous connaissons, chaque monde qui recevoir produit pour faire restaurant, nous avons NOL, nous avons NIFLI, nous avons numéro de téléphone, nous avons côté pour nous joindre. Donc, nous cherchons les gens, nous joindre. Et nous ne pas joindre produit. Donc nous relayons la justice qui fait travail pâle, calé, qui m'a demandé pour manger
Donc, li, son monde qui est interpellé. Ça n'a pas dit matin, hein, c'est que il y a pile monde qui recevoir manger. Nous t'a remé connait, nous t'a remé faire connait que manger ak nan men yo. Manger a c'est pour population, manger a yé. C'est pour yo faire manger a pour yo vendre. Et pour population en mesure d'acheter. Donc tout monde qui gagne manger a nan men yo, qui peut qu'on ouvre restaurant ou qui fait n'a fait travail pas nous. Et n'a demandé la justice pour faire travail pa yo. Gagnon moun que n'était pas la veille qui te dit que c'est bandi qui te prend manger à namel. Si bandi prend manger à namel, faut-il bien que bon juge de paix qui ouais ça ou bien te gon ou parler la police. Gon témoin qui te ouais que tu as volé manger à namel ou te fait la police connait. Ou te relon juge de paix. Donc si un moun pas l'ouvrir restaurant et li pa gon papier la police qui montrait que jou ça il te fait appel à la police par rapport à bandi qui t'attaque ou bien que il te fait un juge de paix venir vérifier que manger a te volé parce que si a volé des sacs de riz faut gien dire il t'a fait avant rien des bagages que mon après qui ont preuve que volé a te passé s'il vous plaît nous ta remé yo ouvri restaurant yo parce que manger a c'est pour moun ki pi mal yo, moun ki pi déshérité yo, ki besoin plat chaud ça tous les jours. De l'autre côté, directeur général FAESLA, Charles Ernest Châtelier, ak directeur lit contre pauvreté dans FAESLA, Gilbert Buteau fait connait, mais isa yo c'est pour faciliter moun ki pa gen gros moyen yo bénéficier yon plat chaud chaque jour. D'après responsable yo, li important pour moun ka dirige restaurant communautaire yo respecter principe qui établi yo pour personne pas faire route crochi ak manger yo. Yon extrait dans micro Anne Marguerite Auguste ak Hervé Pierre. Lorsque l'État baille manger, il faut que la communauté connaisse. Et de fait, c'est ça qu'on a fait là. Restez sur le plan ouvert dans l'Ouest, parce que semaine ça nous projeter pour nous ouvrir. Mais le 80, parce qu'avant 31 décembre, toutes 775 restaurants ont fonctionné sur tout le pays. Mais pour fonctionner, il n'y a pas suffit seulement pour l'État baille manger, mais il faut que nous sentions la population sensibilisée. Parce que chaque fois que nous avons pris manger sur nos populations, et que l'I fait route cochée avec lui, la justice a fait le travail. Population l'a dénoncé situation parce que manger c'est pour population liée. Pour notre état grand goût là, notre état misère là, nous connaissons c'est pas un bagage qui ouvrit dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Nous gagnons 52 restaurants qui ouvrent dans le département du Nord et une trentaine qui ouvrit dans le département du Nord-Ouest. Parce que Nord-Ouest en cours de ouvrir restaurant. Ça n'a pas rappelé, c'est que restaurant communautaire, non a bien dit, c'est restaurant communautaire que vous avez. Et ce n'est pas pour les gens qui recevoir manger. Mais il faut nous souligner qu'il y a un pile de monde qui a opéré restaurant communautaire. C'est des gens, c'est des leaders qui ont toute bonne foi et toute bonne volonté. Et il faut féliciter les leaders. Il y a des gens qui, c'est par compassion et c'est avec souci de bien commun. Que à opérer comme et restaurant ça yo faut nous pas oublier ça c'est pas tout le monde qui gagne restaurant communautaire qui gagne mauvaise intention mais cependant malheureusement il y a quelques mauvais graines que nous jouons un signalement pour yo et que n'a continué à chercher information pour nous pas accuser personne sans preuve et toute bagarre faite selon la loi donc yon moun qui prend responsabilité li prend yon restaurant communautaire li gon restaurant communautaire que l'a géré pour communauté, avec communauté, eh bien, il faut qu'il fait travail communauté. Et yon moun tout ou senti que li pas bon pour vous, c'est-à-dire condition pas bon, ça veut dire l'État baye manger, ou même ou baye local, ou baye main-d'œuvre, ou baye équipement, et ou vend plat la 10 goud. Si li pas bon pour vous, nous ka comprendre ça, li ka pas bon pour vous, laisse ça ou ap di, ou pas ka continuer parce que vous avez expérience. Baye yon l'autre moun qui gen capacité, qui gen assez de leadership. Pour le faire population, jouer un plat chaud, j'en sais. Parce que l'idée, c'est que c'est des plats chauds qu'il a pour les gens qui sont plus faibles, plus démunis, plus défavorisés.
21 à 22 décembre, Kavinila, responsable école hôtelière d'Haïti, a organisé une foire gastronomique et artisanale qui portait nom Marché de Noël dans le localio, Kishita dans Bois Vernard 1er et Passe Lavaux. Activité ça a réalisé dans occasion fête Noël à fin année, à occasion pour étudiants à l'école là faire promotion pour produits à cuisine haïtienne là. On suit. Nous sommes chargés des événements. Et nous avons une directrice, Mme Karine Condé, qui a créé un nouveau département, ça, qui est le département chargé des événements. Okay? Et son objectif du département, ça, c'est créer activité tout au long de l'année pour permettre que nous avons un revenu supplémentaire qui vient pour l'école là et aussi pour nous permettre que Timonio fait des sorties pédagogiques, crée des activités, des cocktails, de tout ça. So, c'est dans l'optique ça que le département a créé. So, dans même optique ça, nous lançons la première activité nous qui c'est au marché de Noël qui a fait le 21 et le 22 décembre dans la Ouya. Gastronomique et artisanale. Dans l'activité marché de Noël, là, nous avons gagné plusieurs activités. Nous avons gagné foire gastronomique, Jean-Chef Giovanni Diel déjà. Partie gastronomique qui a assuré par étudiants à l'école là, et qui a accompagné par chef Marvin. Nous avons gagné et porte de jeu pour enfants. Ce n'est pas seulement grand monde qui est capable d'amuser, mais nous avons une partie qui est réservée pour Timonio. Nous avons gagné Père Noël et nous avons gagné Poc de Jeu, je me dis déjà pour Timonio. Nous avons gagné Bar House, nous avons gagné Cracheur de Feu, nous avons gagné Clone pour amuser Timonio. Et nous avons gagné une partie musicale qui est assurée par DJ Convec. Nous avons gagné Troubadou qui est assurée aussi par le groupe Bullpick. Nous avons gagné des slameurs comme HD Symphony. Et Timonio, ce n'est pas seulement manger qu'on fait l'école, ce n'est pas seulement cocktail qu'on fait, mais Timonio, il y a un talent. Donc, nous avons gagné des étudiants qui ont performé aussi dans l'activité. Donc, en gros, c'est ça qui a bien l'activité. Et nous devons dire encore, première journée, il y a gratuit, totalement gratuit. Seulement, nous avons besoin de mettre des copes dans la poche pour venir encourager les étudiants, pour venir déguster les plats, pour venir acheter. Qui t'a expliqué processus contribuable là doit suivre pour faire déclaration définitive impôt sur revenu fait qu'on est contribuable yo gain délai jusqu'à 31 janvier 2019 pour faire déclaration yo passé tat ça y a bien pour payer l'état 3% sur revenu pour état chaque mois. Fanand Delphin ak Moïse Bridge. Matricule fiscale là l'identifier contribuable, c'est-à-dire que on ne peut pas faire un contribuable sans pas de matricule. C'est matricule là qui porte d'entrée pour entrer dans le DGI. Donc c'est ça, c'est l'utilité. Donc on ne peut pas faire passeport sans matricule, on ne peut pas payer aucun champ de taxation sans matricule. Donc matricule là, il était indéterminé. Donc depuis l'année dernière, dans la loi de finances 2016-2017, il y a faut renouveler chaque année. Donc il y a eu augmenter le prix en tout. Donc, les 1000 goudes, à peu près, pour les gens qui travaillent, les gens qui sont en situation d'emploi, et les 250 goudes pour les gens qui ne travaillent. C'est-à-dire que pour les gens qui doivent travailler tout, mais qui vacataire. Vacataire, ça veut dire que les gens ont leur conseil qui a un petit job. Donc, les gens vont payer 250 goudes. Mais les gens qui travaillent à plein régime, qui sont en situation d'emploi, c'est 1000 goudes. Donc, il y a deux types de matricules. Il y a matricule fiscale personne physique, mais même avant, il y a matricule fiscale personne morale, c'est-à-dire pour entreprise. Dans le cas ça, matricule fiscale, c'est 2500 gouttes. Donc, pour personne morale. Déclaration définitive d'impôt sur le revenu, c'est un document en sorte de livret, donc, qui regroupe tout les revenus catégoriels que on monde a gagné. Par exemple, si c'est ou dépendant ou à travers un côté, ou gain sur les traitements et salaires. Ou dans une catégorie de traitements et salaires. Puis, ou dans bénéfices industriels et commerciaux. Si ou dans l'ouekaï, ou dans pour tomber dans soirée les revenus, dès 1er février, ou à bon surtaxe de 3% par mois ou fraction de mois de retard. Et comment, par exemple, pour faire, si on est dans le traitement et salaire, là, c'est le plus commun. Donc, fonctionnaire public, là, l'IPOAL prend un relevé de compte dans le ministère des Finances.
C'est-à-dire que relevé de compte là, comme si elle dit combien l'État bali pour toute année, hein, mois par mois, et combien il prend sous lit tout. Donc ça permet, c'est la attaché dans la déclaration. Hein. Donc, et puis la capable de déduire, par exemple, tout prélèvement que vous faites sous lit, tout contenu que vous faites sous lit, la capable de déduire. C'est-à-dire que, par exemple, combien vous prenez sous lit pour pension, CAS, etc. La capable de déduire. Si par exemple, là, fonctionnaire ça, tout comme vous qui n'êtes en privé, hein, les capables d'annexer contre la loi. Hein. Donc, s'il n'a hypothèque tout, si son monde qui achète un caille, intérêt hypothécaire capable de déduire. Observatoire système financier haïtien présenté analyse li sous projet loi finance 2018-2019 là environ une semaine après exécutif là te déposé devant parlement. Un extrait dans micro Esaïe Aurelius à Chloror dans le Jean-Jacques. Le taux de croissance du produit intérieur brut pour l'exercice fiscal qui se finit là, c'est seulement 1,4%. Et nous autres schémas qui montrent nous que nous fait 4 ans, nous pas jamais atteint 1,5% de croissance. Qui voulait dire que ça me beaucoup compter le nombre de monde pauvre, avec le nombre de monde bien, et ça qui est là déjà, pas de tout cas satisfait de la situation très difficile. Le gouvernement dit nous également le taux d'inflation en rythme annuel, à savoir si nous voulons suite, taux d'inflation 14,6%. Goutte côté également en septembre 2017 là, perdu 14,6% valeur en septembre 2018. En moyenne annuelle, si nous prenons octobre 2017, à septembre 2018, en moyenne, nous avons une inflation de 13,5%. Qui veut dire, puisque par une croissance économique, il y a un taux d'inflation, le pouvoir d'achat a diminué, donc la situation a été diminuée. Et le taux de change, je confirme, avec un taux de change qui finit à plus de 74 gouttes, 75 gouttes en septembre. Le gouvernement a toujours lui-même très optimiste, et je dis à des chiffres là, il parle de tendance qu'a fait, nous, d'augmenter vraiment la santé, d'augmenter au niveau d'affaires sociales, mais est-ce que l'environnement, va permettre que le gouvernement apporte tout l'argent. Parce que l'environnement politique est capable de détériorer l'environnement économique et social. Donc ils ont de bonnes intentions. Souhaitons qu'ils soient capables d'entrer l'argent pour être capable de ramener les ressources domestiques à 15% des investissements sociaux. Mais position par l'observatoire là, 15%, c'est un premier pas. Il faut continuer à allouer beaucoup plus d'argent des ressources domestiques vers le secteur social. Donc il faut que le continue et que l'année prochaine, le budget 19-20, il n'y a pas seulement 15%, il n'y a pas 25% et 30%. L'autre nouvelle, ministère haïtien qui vivent dans un pays étranger, dans tête collée, avec Haïti Renouine Alliance, signé lundi 17 décembre, un protocole accord pour intégrer diaspora dans l'activité sociale dans le pays. C'était occasion pour le ministre Irène Ternier et plusieurs autres autorités expliquer l'importance à contribution diaspora dans le développement socio-économique pays. On suit. C'est en présence plusieurs autorités dans l'État. Tant que ministre haïtien qui vit dans le pays étranger, Manata Irène Ternier, député circonscription Pétionville, Jerry Tardier, avec divers représentants organisations non gouvernementales, cérémonie signative, protocole d'accord déroulé. Dans l'occasion, ministre Manata Ternier fait connaître le protocole d'accord pour permettre de connaître l'identité membre diaspora, créer plus d'harmonisation dans le temps. Le ministre a expliqué que la diaspora a joué un rôle important dans l'économie. Le sens de diaspora. Il besoin, c'est un monde qui remet parler avec précision, il besoin d'un chiffre. Il besoin de connaître combien haïtiennes avec haïtiennes il y a dehors. Premièrement, premier aspect, en côté yoye. Deuxième aspect, dans quel domaine peut évoluer. Et troisième aspect, ouais, est-ce que vous souhaitez venir aider des pays, hein, retourner, venir aider des pays, hein, ou du moins en cas de catastrophe, qui est-ce qui paraît pour venir dans le pays au coup de main? Député circonscription Pétionville, Jerry Tardieu, sous Bopal, explique la continuer à appuyer toute démarche qui visait faire respecter le droit de tout haïtien qui vivent dans le pays étranger. Bon, proposition de loi que nous déposons sur la nationalité haïtienne qui pouvait remplacer la loi du 6 novembre que les amis, nos compatriotes, nous, c'est nous, avec frères, nous, obtenons l'autre bord de l'eau. Et nous connaissons tout, donc on travaille à mener au niveau de la commission spéciale sur l'amendement de la Constitution qui prévoit un pile bagaille qui pour favoriser, faciliter, dynamiser l'intégration haïtienne qui vit de yoyo en dans vie pays. Président renouvellement Alliance Haïti a firmé Bekin qui a participé dans la cérémonie à Kosa, salué ensemble j'ai fait ministère haïtien qui vit dans pays étranger à mener
pour encadrer les diaspora yo. Puis loin, li renouveler engagement pour continuer à accompagner le ministère dans le cadre des marches sa yo. Raison qui fait on étude l'important, c'est que nous t'a aimé dans le pays, est-ce que vous t'a aimé vraiment retourner dans le pays, qui capacité financière, comment vous t'a aimé investir dans le pays et qui ça vous t'a aimé investir. Nous parlons de diaspora en pire, mais cependant, qu'on intègre diaspora dans l'aspect en politique, économique et développement social pays. Activité ça, c'est occasion pour autorité yo chita ensemble. Discuter sous plusieurs autres projets y a bien pour réaliser dans l'intérêt diaspora. Président commission justice et sécurité dans chambre député Jean-Marie Forestal exprimé préoccupation sous crise qui t'est gagné dans paquet Port-au-Prince. D'après député a gagné une étape qui franchit dans crise là côté ministère justice remplacé commissaire gouvernement. Un extrait dans micro Fédéric confident avec Moïse Bridge. Crise a été préoccupée, mais je parle en tant qu'ancien bâtonnier, ancien avocat, parce que on va gagner tout sur route. C'est ça que je me demandais en étape. Ça, c'est la première étape qui franchit, le renvoi de Oknam. Même parce que la deuxième étape, là, c'est à Chita, sur la même étape, pour garder qui l'autre orientation d'avant-plan, pour éviter à ce que ça fait là, il va répéter encore. Et pour éviter à ce que, pour permettre, créer conditions pour permettre que la justice statue sur cas, puisque il y a des gens qui estiment les victimes. Ça ne veut pas dire que le commissaire qui était giflé, avocat, ça ne veut pas dire que pour autant, il est obligé d'entendre. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. Mais ça qui est important, c'est que permettre que la justice statue. Que le statue et décision liée. Fait avocat au plaisir, il n'est pas fait au plaisir, il y a une voix de beaucoup pour ça. Mais ça qui est important, c'est que, il y a une situation qui est faite, il faut que gagner la justice capable de statuer pour décider sur. Mais lorsque la justice fait silence, ça veut dire qu'on doit violer. Donc, je pense que le renvoi de l'OPNAM, pas seulement l'étape qui doit franchir, mais il faut que la justice capable de prendre connaissance de questions et puis pour statuer. Après un coup de pause, dresse information, c'est pour tout de suite après. Dans le sport, n'a pas le football sur plan local. Club sportif Saint-Louis fait match nul avec l'équipe ASGGA hier soir dans le stade Silvio 14. Dans le cadre de la première journée, play-off championnat national 2e division, zone sud 2. À l'étranger, championnat d'Angleterre, entraîneur portugais José Mourinho qui gagne 55 ans, quitté l'équipe Manchester United là pour mauvais résultat. Et c'est là, amis téléspectateurs, nous mettons en bout dans la deuxième sortie journal mi-temps junior pour semaine ça. Nous remercions pour attention et fidélité. Retour chez TNH pour reste programmation. Bonne fin de journée tout le monde.